Arkia Traoré. Je suis agent de liaison communautaire. Moi, c'est Aminata Touré. Je suis CLO, agent de liaison communautaire. Mon travail consiste à faire des sensibilisations sur les restes explosifs de guerre. C'était quelque chose que je voulais faire parce que ça ajoute au bien-être de la communauté, chose que j'ai toujours aimé. Je suis colonel-major Nana Tchimoko Traoré et je suis la directrice du génie militaire. La lutte anti-mine fait partie de ma mission. On HR, in the next week, we'll be launching the 2016. Stay tuned for updates. Je m'appelle Tammy Bunbury. Je suis l'adjoint du directeur du programme UNA Somalie. Je me nomme Sergent Sitan Ouattara. Je suis un élément du génie militaire. Je suis sa père. J'aimerais travailler avec les munitions, connaître les munitions. C'est pour cela que j'ai choisi ce branche. Je suis médecin général de brigade, Madame Koulibaly Kanidjabaté. Et je suis présentement la présidente de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre au Mali. Tout projet et programme, je suis convaincue, ne peut réussir qu'avec l'implication effective des femmes. 51 à 52% de la population sont des femmes. Alors, on n'a pas idée d'organiser quelque chose sans la participation des femmes. Moi, je ne connaissais rien sur les mines, les restes explosifs de guerre. Mais avec le temps et les formations, bon, ça va et c'est un travail que j'aime beaucoup. Je l'aime parce que je me dis d'une manière, j'arrive à sauver des vies. Ici au Mali, on a des anciennes munitions qui présentent un danger pour la population. Donc la destruction permet de protéger non seulement la population et nous aussi les militaires. Les femmes ont un rôle dans tous les métiers du monde, et compris l'action contre les mines. Je me suis dit, donc, il n'y a que des hommes qui sont en train de faire ces métiers seulement. Pourquoi pas moi aussi, pourquoi pas les femmes? Je veux faire comme les hommes pour donner l'exemple à d'autres femmes. Chaque être humain a quelque chose de très positif qu'il faut savoir extirper et exploiter. J'exhorte les autres femmes qui souhaiteraient s'impliquer dans l'action contre les mines à ne pas hésiter. Les femmes doivent de plus en plus s'intégrer dans les domaines embrassant le développement de leur communauté, y compris le secteur de la sécurité. Au 20 ans, fait le domaine de fait.